Bonjour à tous. Nouveau débat sur TV 78 et Radio Sensation en vue des élections municipales et le premier tour du 15 mars. La ville, chef-lieu du département Versailles, a 8 candidats déclarés à la date de cet enregistrement, le dimanche 23 février. On reçoit 4 nouveaux candidats pour ce débat, des candidats qui auront leur temps de parole chronométré. C'est aussi un tirage au sort qui a fixé l'ordre pour la première prise de parole et c'est monsieur Bouhiri, Jean-Michel Bouhiri qui a été tiré le premier pour ce débat, tête de liste Versailles Démocratie Directe. Vous avez été investi par l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un parti fondé par François Asselineau, ancien candidat à la présidentielle. C'est votre seconde expérience électorale puisque vous étiez candidat lors des élections législatives en 2017 dans la troisième circonscription des Yvelines. Vous aviez récolté moins de 1% des suffrages à l'époque. Pourquoi les électeurs versaillais doivent-ils vous faire confiance et voter pour vous le 15 mars ? Parce que nous sommes le seul parti politique à prendre engagement que tous les candidats auront un casier judiciaire vierge, le bulletin numéro 3. Nous nous engageons à appliquer les 30 propositions de l'association anticorruption Anticor. Et puis, ce qui est important, c'est la mise en place d'un référendum d'initiative locale. Parce que dans le cadre des réformes territoriales, la commune est dans le cadre d'une intercommunalité, d'un des départements, d'une région. Et toutes ces politiques qui sont décidées sont en réalité décidées sans le choix des électeurs. Renaud Anzieux, tête de liste Vivre Versailles Écologie Citoyenne. Vous êtes consultant en transition écologique, investi dans la vie locale. C'est votre première campagne électorale, en tout cas en tant que candidat. Pourquoi les Versaillais et Versaillaises doivent-ils voter pour vous dans 3 semaines ? Nous sommes une liste indépendante, non partisane, écologique. Et en fait, d'habitants, il y a des centaines d'habitants qui, depuis quelques années, se sont mis en mouvement. On commençait à faire des actions très concrètes, sans attendre que la politique, que la mairie, que les artisans, que les entreprises se sont mis en action directement. Et on s'est dit, ben, en fait, cette élection municipale, c'est l'occasion de partager et de proposer ce qu'on vit déjà, en fait. C'est ça notre intention. Anne-France Simon, tête de liste Ensemble Vivons Versailles. Vous avez été investi par le comité local En Marche. Dans votre liste, on note notamment la présence de Didier Béchère, conseiller municipal et député de la première circonscription des Yvelines. Dans la vie, vous êtes directrice administrative et financière. C'est votre aussi première campagne en tant que candidate. Vous êtes soutenue notamment aussi par le mouvement radical. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance dans 3 semaines ? Oui, alors en tant que référente du comité local de Versailles En Marche, je suis depuis plus de 3 ans régulièrement sur le terrain, à l'écoute des Versaillais et pour soutenir nos élus. Nous savons que les Versaillais ont envie d'un nouvel élan et nous portons un projet progressiste avec 3 priorités. Relever le défi de la transition écologique, développer la confiance et la cohésion sociale et ouvrir la ville aux initiatives, à l'entrepreneuriat et à l'international avec comme principal objectif, défendre les commerces de proximité et l'emploi. Notre liste est une liste de rassemblement, c'est-à-dire qu'elle a elle regroupe des adhérents de La République En Marche, mais aussi l'UDI, le MoDem, l'UDE, donc le mouvement radical que vous avez cité, et Allons Enfants, qui est un parti de jeunes, et 1/3 de citoyens sans étiquette, et qui s'engagent pour la plupart pour la première fois. Et nous avons plus de 25% de la liste qui a moins de 30 ans. Donc c'est une liste jeune, dynamique, qui a une incroyable agilité, créativité et énergie à mettre au service des Versaillais. Enfin, Marc Dias-Gamma, tête de liste Le Réveil démocratique et solidaire. Vous êtes le président fondateur d'une société qui agit dans le domaine de l'immobilier. Cette campagne des municipales constitue pour vous aussi une première en tant que candidat. Vous avez reçu le soutien du Parti communiste, du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi les Versaillais doivent-ils voter pour vous le 15 mars ? Parce que notre monde change. Et notre monde change, on le voit à chacune et chacun, on le voit dans l'ensemble des éléments de son quotidien. Et face à ce changement, et notamment celui de l'urgence climatique,
qui devient un changement prégnant que chacune et chacun peut vivre dans son fort intérieur et dans le quotidien, eh bien nous avons d'autres enjeux à mettre dans une municipalité et particulièrement dans une ville comme Versailles. D'autres enjeux se présentent et on ne peut plus peut-être gérer la ville comme elle était gérée il y a 10 ou 15 ans. Voilà, merci pour ce premier tour de table. Parfaite transition pour notre première thématique, l'environnement. Quelques éléments de cadrage pour ce débat. Versailles est la première ville zéro phyto depuis 2009. Ça avait débuté en 2006. C'est aussi quatre fleurs. Versailles, seulement trois villes ont ce label. 87 hectares d'espace vert. Et selon des données publiques que peut-être vous contesterez, c'est 120 km de voirie utilisables pour les vélos. Renaud Anzieux, on va commencer avec vous pour la thématique environnement qui vous est forcément chère. Vous proposez une alimentation différente. Vous avez notamment signé la charte cantine sans plastique. Vous souhaitez aussi la sobriété des équipements municipaux, rénovation des bâtiments. En fait, dans notre programme, il s'appelle Audace. O-D-A-2-S. Et la troisième lettre, c'est A pour alimentation. Et je parle de ça parce qu'en fait... En termes d'environnement, nous avons la conviction qu'est-ce qui peut être aujourd'hui de plus important pour un maire, qu'est-ce qui peut être plus important pour un maire que de porter son attention sur l'alimentation de nos enfants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on propose à nos enfants des produits qui tuent la vie, des pesticides, des fongicides qui sont dans la nourriture? Comment ça se fait, ça? Franchement, ça me rend triste. Du coup, vos propositions concrètes, est-ce que vous avez des... On passe à 100% bio dans les cantines. Il y a déjà des grandes villes comme Saint-Étienne, qui est deux fois plus grande que Versailles, qui fait ça déjà depuis plusieurs années. Donc je me pose vraiment la question. Et donc ça, c'est pour nous vraiment une priorité. Vous avez aussi mentionné la sobriété des équipements municipaux, c'est-à-dire que vous voulez soutenir la rénovation des bâtiments. La sobriété, ça veut dire que, en fait, il y a déjà plein d'équipements. Sauf qu'ils sont utilisés que pour une seule tâche. Je vais dire une chose simple, par exemple, dans les écoles. Les écoles, vous pouvez utiliser que pour les élèves. Et en même temps, ils ne s'occupaient que 30 à 50% du temps. Alors qu'il y a des salles, alors qu'il y a des réfectoires, alors qu'il y a des gymnases. Et que ça pourrait être utilisé à plein d'autres occasions. Donc je suis étonné de ça. Et dans l'environnement aussi, pour éviter la pollution dans la ville, il y a quelque chose qui se fait dans plein de villes touristiques dans le monde, en France, qui sont les parkings relais. Et donc, nous avons le projet d'installer des parkings relais pour que les touristes puissent s'installer à l'extérieur de la ville et puissent venir dans la ville avec des bus électriques. C'est une chose très simple. Marc Diaz-Gamma, parmi vos propositions, il y a deux repas végétariens par semaine, la mise en place d'un plan de mobilité sur 10 ans et, alors peut-être plus étonnant, végétaliser la place d'Armes, celle qui se trouve devant le château, pour ceux qui ne connaissent pas précisément la ville, mais voilà, cette place. Quelle est la place aujourd'hui de l'environnement dans la vie de chacune et de chacun? Elle est importante. C'est-à-dire que tout le monde prend conscience que notre planète présente une problématique globalement. Et donc il faut, à l'échelle d'une municipalité, se tourner un peu plus vers les femmes et les hommes et l'environnement plutôt que se tourner vers les choses. Et certains l'ont déjà repris, et je ne vais pas reprendre le thème, mais je pourrais, c'est parler du béton. On a beaucoup construit à Versailles, mais est-ce qu'on s'est occupé des femmes et des hommes et de l'environnement? Pas vraiment, en fait. On a végétalisé des bouts, on a parcellisé, mais on n'a pas été sur un plan global. Nous, la liste, notre liste a pour objectif de prendre l'écologie dans sa globalité, à la fois dans sa dimension humaine, c'est-à-dire le bien-vivre et le bien-être pour les habitants, et puis sur la dimension écologique pour aider à cette transition écologique et tenir compte de tous ces nouveaux éléments qui fabriquent notre monde. Jean-Michel Bouhiri, vous proposez une préservation d'une écologie citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est ce que j'ai lu sur le tract de l'UPR sur Internet, que tout le monde peut consulter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez développer vos propositions pour l'environnement. Oui, nous sommes pour privilégier les circuits courts, les producteurs locaux. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans des réformes territoriales avec une métropolisation une métropolisation qui est en cours. On concentre les richesses, les populations.
Et si on est face à en fait une problématique, c'est que pour les projets du Grand Paris, on est en train de prendre des terres agricoles. On est en train de prendre de la surface agricole qui pourrait justement servir pour les circuits courts. On est en train d'augmenter en fait les problèmes de pollution à venir, de circulation, des infrastructures qui vont pas forcément suivre, des services publics qui de toute façon ne suivront pas, parce que les politiques ne sont pas pour augmenter les services publics et leur donner plus de moyens. Et face à ça, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais on a le sentiment qu'on est face à une impasse où on veut tout et son contraire en même temps. Donc vous êtes pour l'arrêt de ces projets. Est-ce que vous pensez qu'une mairie peut peser Je suis plutôt pour que ce soit ces grands projets soient décidés par les Versaillais. Mais il faut savoir qu'en réalité, dans le cadre de l'Interco, les compétences du maire sont transférées à l'Interco. Donc les Versaillais... Et le maire de Versailles sera sûrement le président de Versailles Grand Parc. Oui, mais il le sera. Mais le problème, c'est que les Versaillais s'éloignent de plus en plus des décisions démocratiques. Anne-France Simon, si je reprends aussi votre campagne, vos propositions sur Internet, vous voulez notamment planter un arbre par jour. Donc j'ai compté, ça fait 2190 sur 6 ans. Tendre aussi vers le zéro déchet et mettre en place un plan climat, air, énergie territorial. Oui, alors relever le défi de la transition écologique, c'est clairement notre première priorité. Ça va se traduire par le fait que le premier adjoint sera en charge de la transition écologique et de l'urbanisme. Nous souhaitons nous fixer une ambition de la neutralité carbone à l'horizon 2040 avec des jalons pour y arriver et une contractualisation d'un certain nombre d'objectifs mesurables avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et un certain nombre de mesures très très concrètes pour améliorer, enfin surtout impacter la vie des habitants, à savoir mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer. Donc les mesures en question, c'est par exemple développer, évidemment, on vous l'avait déjà dit, l'économie circulaire, les magasins de recyclage, c'est publier régulièrement une cartographie des passoires thermiques pour accompagner les habitants dans la nécessité de rénover leurs habitations, les aider à rechercher des solutions de financement. Ça peut être aussi créer un système vélo et lutter contre la discontinuité des pistes, de manière à faire que ça soit continu. Et travailler aussi sur lutter contre le vol des vélos, parce que lorsqu'on veut développer la mobilité douce, il faut sécuriser le vélo. Et on parlera de la sécurité dans la suite de ce débat. Je me permets de vous arrêter parce que sinon vous allez prendre beaucoup d'avance. Marc Dias. C'est quand même une question. Pourquoi vous ne voulez pas mesurer la pollution dans Versailles? Ah ben si, c'est quelque chose d'important, de mesurer la pollution pour informer les citoyennes et les citoyens. J'ai prévu de mesurer la pollution. J'ai prévu de mesurer la qualité de l'air, notamment, puisqu'on sait qu'à certains endroits, il y aura des risques de dégradation. Donc oui, ça c'est tout à fait prévu. Marc Dias-Gamma, peut-être sur vos propositions à vous, puisque vous avez un peu de retard sur ce plan de mobilité sur 10 ans. J'ai cru comprendre que ça sera structurant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parler notamment des mobilités douces. On a proposé de manière concrète à tous les Versaillaises et Versaillais de réduire la vitesse des véhicules et de passer aux 30 km/h permanent, surtout Versailles. Pourquoi? D'abord, c'est un enjeu de sécurité pour les citoyennes et les citoyens, et ça, c'est important. Et puis ensuite, c'est un enjeu de diminution des rejets et de pollution. Et Versailles, à 30 km/h, ça ne pose aucun problème. C'est une ville qui est très dense. Jour et nuit. C'est l'objectif, tout à fait. Alors, comment on va le faire? C'est ça qui est important, finalement. On pourrait l'imposer, le maire pourrait l'imposer avec son équipe municipale, dire Versailles, c'est 30 km/h. Ce serait là une erreur démocratique. On ne va pas chercher à imposer des choses. On va en parler plus tard dans le débat. Nous allons proposer l'élection de maires de quartier. Et ce sont les conseils de quartier, les maires de quartier et les citoyens qui doivent décider de l'application d'une politique ou pas. Il y a certaines rues où il faudra le faire. De manière globale, nous privilégions le fait de passer à 30 km/h dans la ville. Mais il faudra consulter les femmes et les hommes de Versailles.
Justement, nouvelle parfaite transition. Je ne sais pas si vous le faites exprès. Pour la démocratie locale, 86 000 habitants à Versailles. Comment rapprocher le citoyen des politiques ? C'est un sujet devenu majeur dans les campagnes récentes politiques. Vos propositions sur ce sujet, Anne-France Simon, si on pouvait commencer par vous, sachant que vous avez du temps d'avance. Donc voilà, juste pour vous le sachiez pour la suite du débat. Donc nous voulons faire de Versailles une ville résolument tournée vers les citoyens et qui mise sur les acteurs. Notamment, nous voulons redonner une nouvelle dimension au conseil de quartier en les rendant plus visibles des citoyens, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne savent même pas que ça existe, en publiant par exemple régulièrement un calendrier des réunions, en ouvrant les conseils de quartier sur les associations ou des acteurs locaux, organisant des ateliers thématiques, une boîte à idées. Enfin, on a pas mal de propositions sur le sujet. On souhaite aussi rajouter des instances consultatives pour fédérer les initiatives. Donc, on a pensé à un comité citoyen d'innovation et de développement qui serait composé de Versaillais tirés au sort avec un budget pour encourager les projets citoyens. Un comité des associations aussi pour fédérer leurs actions sur l'ensemble de la ville. Un conseil municipal des jeunes, un conseil municipal des enfants. Je voudrais rajouter un dernier point. Allez-y. Nous engageons, nous aussi, à travers la charte Transparency internationale, à respecter les 6 propositions pour renforcer l'intégrité de la transparence de la vie publique locale, dont 2 mesures principales. Vous aurez moins de temps pour la suite, mais allez-y. C'est pas grave. La transparence des indemnités perçues par les élus et la lisibilité des documents administratifs et financiers. Renaud Anzieux, vous aussi, vous avez signé une autre charte. C'est celle de pacte pour la transition, élaborée par une 60aine d'organisations qui propose notamment la co-construction des politiques locales. Est-ce que ça veut dire qu'aucune décision ne sera prise sans l'accord des citoyens ? En fait, c'est un sujet intéressant parce que la question, c'est... j'adore en fait tout le fait qu'on partage là en ce moment, parce qu'on a l'impression qu'on est quasiment d'accord sur beaucoup de choses. La question peut-être, c'est comment on le vit déjà ? Dans les 53 colistiers et colistières de notre liste, ça fait 6 ans qu'on fait déjà de l'écologie, qu'on roule en vélo, qu'on fait des jardins potagers, qu'on fait du compost, qu'on est déjà actif dans la vie publique, personnellement, sur le quartier de Porchefontaine, dans le conseil de quartier de la mandature actuelle, j'ai mis en œuvre la zone 30 complète sur le quartier de Porchefontaine. Donc il y a déjà des choses possibles. Et en fait, c'est comment on choisit de le vivre aujourd'hui ? Et on a une mesure peut-être un peu phare qui est les budgets participatifs. Il y a aujourd'hui la possibilité, on a prévu dans notre programme 2,8 millions, ça représente 7%, ce n'est pas énorme, du budget d'investissement de la ville, dans des budgets participatifs qui seront choisis, qui seront identifiés, qui seront évidemment évalués par les services techniques et qui seront votés par les habitants. Alors oui, les élus ont un sens, ils ont une fonction. Et en même temps, c'est comment on peut travailler avec les élus, les services techniques. Et c'est ce qu'on fait déjà dans notre liste chez nos colistiers depuis quelques années. Marc Diaz-Gamma, sur cette question de la démocratie locale, vous parliez de l'élection au suffrage des maires de quartier, eux aussi dotés d'un budget personnalisé. Alors c'est clé la démocratie. Pourquoi ? Face à tout ce qu'on a à mettre en œuvre, cette urgence climatique, cette nécessaire transition que chacune et chacun comprend, il faut d'abord adapter la gouvernance d'une ville à ça. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui qu'un maire d'une ville de presque 100 000 habitants peut prendre toutes les décisions qui vont impacter l'écologie de chacune et de chacun au quotidien ? Non. C'est aux citoyennes et aux citoyens de construire leur propre projet politique, là-dessus leur propre projet d'environnement. C'est à eux de faire le retour. Ce n'est pas du haut vers le bas que se font les choses. C'est du bas vers le haut. Les informations doivent remonter au maire d'une ville. Mais pour ça, il faut que dans chaque quartier, il y ait des femmes et des hommes impliqués. Et c'est pour ça que nous proposons et nous souhaitons l'élection des maires de quartier au suffrage universel par les représentants du quartier. Voilà. Donc des conseils de quartier complètement avec une nouvelle démocratie politique, celle de l'élection qui auront la légitimité d'avoir reçu l'élection politique des gens du quartier. Et comme d'autres autour de cette table, vous êtes favorable à l'organisation de référendums de quartier ? Oui. Sur quelles questions ? Tout type de questions ? Tout type de projet, à partir du moment où un collectif de 500 citoyens veut porter un projet, eh bien, il pourra en référer à son maire de quartier élu. Et le maire de quartier, on parlera, le maire de la ville va organiser régulièrement, tous les mois, son conseil des maires, sur lequel seront
seront reportés, tous les projets qui auront eu citoyens, mais avec un vote référendaire, effectivement, sur un collectif de 500 citoyens qui veulent porter un projet, alors ce projet pourra s'imposer à la mairie, tout à fait. Jean-Michel Bouhiri, c'est un sujet justement qui vous est très cher, le référendum. Vous voulez mettre en œuvre le référendum d'initiative locale, le RIL. Oui, le RIL, le référendum. Différent du RIC, qu'on a beaucoup entendu parler avec les Gilets jaunes. Oui, alors déjà la mise en place du référendum, tout simplement, parce que lorsqu'on démarre de grands projets ou on a l'intention de mettre en place de grands projets, comme le projet du plateau Tatori ou du Grand Saclay ou de la caserne Pion, enfin il y en a énormément sur Versailles, et qui vont engager beaucoup d'investissements, il faudrait aussi demander à la population si elle est d'accord ou pas aux Versaillais. Oui, effectivement, nous voulons mettre en place le référendum d'initiative locale qui permet à tout citoyen de formuler une question, de la déposer en mairie, et puis une fois que le nombre de signatures est obtenu, on passe par le référendum et la mairie appliquera la décision qui sera prise par les Versaillais. Mais il ne faut pas oublier que Versailles n'est pas une commune complètement isolée dans la France. Elle dépend aussi d'une interco avec les transferts de compétences du maire vers l'interco, donc une perte de démocratie. Et les choses ne pourront se faire que dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Par exemple, on doit la SDIRF, je me souviens plus, j'ai un trou. C'est pas grave. Le STIF pour les transports. Le schéma directeur de la région Île-de-France, qui prévoit, qui demande une augmentation de l'urbanisation de 10 à 15%. Et la commune de Versailles est obligée d'inscrire ça à son PLU. Donc toutes ces questions en fait de changement de la politique du territoire, elles ne passent jamais par la recherche, jamais par une démocratie locale. Ça se fait entre élus, et nous on souhaiterait justement remettre les Versaillais dans un processus démocratique et qu'ils soient à l'origine de grandes décisions, parce que tous ces projets vont quand même avoir une grande incidence et vont se confronter frontalement avec tous les besoins d'écologie, d'urgence écologique, etc. On va parler des grands projets dans la deuxième partie de ce débat. Je suis ravi de voir que vous nous joignez sur la partie démocratie effectivement locale. Et on est obligé de passer aujourd'hui à un autre système. Oui, mais comment vous allez faire pour mettre en place les solidarités humaines? La fonction de maire de quartier. Mais les maires, on va mettre le carré. Vous allez faire du lobbying à l'Assemblée nationale? Pas du tout. Les maires de quartier vont être élus au suffrage universel par les citoyennes et les citoyens d'un quartier. C'est indispensable pour mettre en œuvre un projet de transition écologique. C'est très bien de passer par les maisons de quartier. Mais nous, on fait encore plus simple. On passera directement par la mairie et on s'adressera aux Versailles. Renaud Anzieux, peut-être vous avez du retard sur cette question du référendum. Est-ce que c'est un projet aussi que vous portez, vous demandez l'avis directement sur des projets très locaux aux habitants? La question, c'est comment on le fait et comment on le vit déjà. Je veux dire, faire des plans sur la planète en disant on va faire comme ça. Aujourd'hui, comment ça se passe? Je dis qu'aujourd'hui, dans nos structures, dans notre liste, dans nos associations, nous avons déjà ces modes de gouvernance partagés. On s'expérimente, on s'entraîne, on prépare ça. On ne va pas changer tout d'un coup les façons de faire qu'ont les habitudes, qu'ont les habitants, qu'ont les politiques, qu'ont les élus, qu'ont les services techniques. Ça ne va pas se transformer comme ça. Il ne suffit pas de dire on va faire de la participation, du collectif, etc. C'est plus compliqué que ça. Dans notre vécu, c'est déjà transformer notre posture, notre position. Et déjà, on le vit, nous. Et donc, comment on transforme ça si c'est si compliqué et si long? Est-ce que vous avez tout de même des pistes de réflexion ou d'action? Oui. Et puis, il y a une urgence. Cette urgence. Ça fait 6 ans qu'on est dans l'urgence. Donc, on y est, on le vit, on est déjà transformé. C'est déjà commencé par nous. C'est déjà se transformer, nous. C'est déjà comment est-ce qu'on va accueillir l'autre? Comment on va accueillir l'opposant? Comment on va accueillir le marginal? Comment on va accueillir le rebelle? Parce que toutes ces personnes-là, elles nous parlent de nous. Elles nous parlent de comment on veut fonctionner aussi. Si ça vous convient, on arrive à la moitié de ce débat, de passer à un autre sujet, une autre thématique, l'attractivité du territoire et ces grands projets dont vous parliez, le château de Versailles. Pour rappeler quelques chiffres, c'est tout de même 8 millions de touristes par an qui viennent à Versailles. Il y a les JO 2024 qui arrivent aussi à Versailles avec l'accueil des épreuves d'équitation.
le Grand Paris, l'arrivée de la ligne 18 prévue normalement en 2030. Et puis, il y a aussi dans ce Grand Paris le sujet de la fusion entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, porté par les deux présidents des départements. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Libre à vous de vous positionner. Je voulais vous entendre sur ce sujet. Marc Diaz-Gama, vous avez un peu de retard, donc vous avez le temps de développer vos positions là-dessus. Alors, sur les JO, effectivement, toutes les parties épreuves d'équitation, mais je note qu'elles vont avoir lieu dans le parc du Château, hein, derrière le Grand Canal. Donc, ça va pas impacter. Qui n'est pas la propriété qui n'est pas de la mairie. Propriété de la mairie. Donc, ça va avoir un impact peut-être un peu plus faible qu'on peut estimer sur Versailles. Mais c'est important. La question, c'est combien de touristes vont venir sur Versailles dans cette épreuve. On n'a pas encore d'idées précises là-dessus, mais il va falloir même faire une étude là-dessus. Et je pense que les études d'impact, l'ingénierie permet de faire des études d'impact de manière claire, ce qui n'a pas encore été fait par la mairie actuelle. Et pourtant, les JO de 2024, c'est quelque chose d'important. On peut s'étonner que la mairie actuelle n'ait pas fait encore d'études d'impact sur les retombées économiques et les retombées sociales. Et comment en profiter un maximum, du coup, selon vous? Comment anticiper pour, par exemple, que les touristes visitent certains quartiers de Versailles et fassent vivre les commerces de proximité? Alors déjà, la première chose, c'est que les épreuves se passent bien et que se déroulent bien. Versailles est une grande ville. 2024 est important, c'est un enjeu important. Donc il faut que les infrastructures soient prêtes. Ça va être des infrastructures assez éphémères, en fait, puisqu'elles vont être démontées après. Donc des coûts économiques élevés pour la ville. Et il faut d'abord mesurer l'impact économique, le gain potentiel que pourrait avoir la ville là-dessus. Ouais, bien sûr. Je voulais quand même revenir sur un point que j'ai relevé dans votre programme pour le commerce de proximité, c'est la gratuité des parkings privés. Enfin, vous souhaitez négocier la gratuité des parkings privés pour la première heure pour renforcer l'activité commerciale. Tout à fait, pour inciter à une plus grande mobilité et renforcer l'activité. Mais nous parlons tout à l'heure d'un autre sujet aussi, pour renforcer l'attractivité de la ville sur le plan des affaires et de l'économie. J'espère que nous évoquerons ce sujet qui est très important. Voilà. L'attractivité du territoire, Anne-France Simon, vos propositions principales, vous souhaitez notamment, on parlait des Jeux Olympiques 2024, vous parlez vous aussi de la Coupe du Monde de rugby 2023, vous voulez une nouvelle offre touristique pour Versailles, est-ce que vous pouvez détailler ça plus ou moins, tout de même rapidement? Oui, alors nous souhaitons faire des JO 2024 et aussi de la Coupe du rugby une occasion de porter un projet fédérateur et qui démarre dès maintenant, c'est-à-dire qu'on a appelé vers 2024. L'objectif étant de faire bouger les Versaillais, puisqu'on sait qu'il y a près d'un Français sur deux qui déclare ne pas pratiquer régulièrement du sport, dont 60% des femmes. Et le sport adapté aussi reste d'ailleurs difficile d'accès. Donc un de nos axes, c'est de développer la pratique sportive et physique des jeunes, notamment. Et nous avons tout un programme autour de cet objectif, fédérer les quartiers avec un certain nombre d'événements vers les JO 2024. On va donner la parole à Jean-Michel Boiré. Vous pourrez rebondir ensuite sur vos propositions, sur ces grands projets. Alors, j'ai déjà cru comprendre que vous n'étiez pas favorable à ces projets. Vous voulez porter une défense vigilante des commerces et artisanats locaux. Oui. C'est-à-dire ? Je ne suis pas favorable aux grands projets. Non, je dis qu'ils vont poser de grands problèmes à venir. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer les problèmes à venir. Vous n'êtes pas vraiment favorable, du coup ? Oui, non, mais je dis que ce n'est pas moi de décider tout seul. Hein. C'est la population décidée. C'est au Versailles de décider. Et donc, la question, c'était ? C'était vos projets pour l'attractivité du territoire. Et j'ai noté une mesure défense vigilante. Enfin, si c'est une mesure défense vigilante des commerces et artisanats locaux, je vous demandais comment ? Oui, déjà, nous, on va mettre en place 30 minutes de stationnement gratuite. Pour les commerces locaux, oui, c'est le problème des commerces, c'est qu'il y a de grands centres commerciaux et effectivement, on va continuer la politique qui est appliquée pour protéger les commerçants. Oui, mais de toute façon, c'est un problème, oui, tout à fait. Renaud Anzieux, vous parlez du développement de la monnaie locale, la racine. Alors, cette monnaie locale a été créée dans la vallée de Chevreuse à l'automne 2018. Comment vous souhaitez diffuser cette monnaie locale? En fait, elle fonctionne déjà à Versailles. Elle a commencé, oui, récemment à se diffuser. Ça fait un an qu'il y a des commerçants qui commencent à l'utiliser et des habitants.
Donc l'idée de la monnaie locale, ça permet en fait de faciliter les échanges et ça accélère les échanges locaux. C'est ça l'intention. Après, en termes d'attractivité, j'ai la croyance que, effectivement, on parle des touristes qui viennent à Versailles, et j'aime bien l'idée de libérer la place d'armes des voitures avec les parkings relais à l'extérieur, comme on en a parlé. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des jardins sur la place d'armes, ça me plaît bien, j'aime l'idée. Et aussi de faire des locations de vélos. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux touristes d'avoir des pistes cyclables, ils vont pouvoir se promener dans Versailles, parce que si vous marchez, ça fait un peu loin, Versailles, et donc en vélo, ça permet de circuler. Et ça permet d'aller chez les commerçants, ça permet d'aller vite, de se promener, d'aller voir d'autres éléments de Versailles. Donc ça, c'est un élément d'attractivité. Et ce n'est pas un coup ponctuel, on va faire un one-shot, on va faire des installations avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, pour une seule opération. Pour moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre du local. Et puis, j'ai aussi envie de vivre avec des habitants qui vont faciliter leur déplacement. Alors, ceux qui le peuvent, parce que certains ne peuvent pas, et certains, sont contraints de prendre la voiture. Et ça, je suis vraiment tranquille avec ça. Et en même temps, je me dis qu'il y a plein de déplacements, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très sûr, qui pourraient se faire à vélo et qu'on peut faciliter. Et donc, l'attractivité, c'est aussi comment on facilite les échanges localement. Et par exemple, comment on permet à des jeunes couples de pouvoir s'installer à Versailles. Parce qu'en termes d'attractivité, si on parle d'immobilier, je pense que c'est OK, et que tout le monde est OK là-dessus, qu'il y a une certaine attractivité de Versailles, vu le prix de l'immobilier. Est-ce que c'est ça qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut devenir le Marais? Est-ce qu'on veut devenir une ville super de personnes extrêmement riches et plutôt âgées? Ou est-ce qu'on veut être autre chose? Et comment est-ce qu'on va faire cette attractivité avec des jeunes? On a encore pas mal de temps dans ce débat. Je voudrais peut-être entendre votre position sur un projet qui va structurer l'avenir de Versailles, c'est la métropole du Grand Paris. Alors, les décisions ont été arrêtées pour le moment. Versailles est en dehors de cette métropole. Elle le sera peut-être à l'avenir. Et ce sujet a des conséquences déjà directement, puisque les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, en tout cas, leur président souhaite fusionner. J'aimerais avoir votre position là-dessus. Est-ce que vous êtes favorable à la métropole du Grand Paris? Est-ce qu'elle doit englober Versailles? Est-ce qu'il faut que les deux département fusionne? Jean-Michel Bouyer, là-dessus. Oui, alors, moi, c'est une position est très claire. C'est comme les fusions communes. Ça doit passer par référendum, elles ne doivent pas être forcées. Donc, pour les départements, c'est exactement la même chose. On doit passer par la voie référendaire. Alors, les présidents disent qu'ils ont la majorité, donc élus par les électeurs, et que du coup, leur projet est démocratique. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, démocratie directe. Je relais des informations, ouais, hein, je ne fais pas le porte-parole. C'est de la démocratie indirecte. Non, démocratie directe. Tout se fait entre élus. Et c'est pas. C'est quand même. Ce sont des projets qui vont avoir des conséquences de multiples niveaux, aussi bien de concentration de population, de concentration de richesses, et tout ça au détriment de la France périphérique. Et vous, est-ce que vous avez peut-être, en tant qu'éventuel futur maire de Versailles, une idée quand même de ce que vous souhaitez pour l'avenir et ces sujets-là précisément ? En réalité, c'est tout le problème qui se passe en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on assiste à un bétonnage avec de nouvelles lignes ou des lignes qu'on rallonge, qu'on va bétonner. Et je ne sais pas comment vous dire ça, mais je pense que c'est aux citoyens de décider. On peut avoir, il faut évoluer, les métropoles, en fait les métropoles, elles sont dans un cadre de mondialisation, de compétitivité, mais ce sont des politiques qui sont imposées en fait par notre appartenance à l'Union européenne. Ça a été décidé en haut lieu, c'est passé par Sarkozy en 2007, je crois, c'est passé par la loi organisée par la loi NOTRe et la loi MAPDA. Le Paris, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, oui, oui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la ligne 18 arrivera en 2030 à Versailles. Oui, 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 c'est oui. Anne-France Simon, vos positions sur ces sujets qui sont malgré tout très structurants pour l'avenir de la ville. Alors nous, notre objectif, clairement, ce sera de défendre les Versaillais, les intérêts des Versaillais. Il est clair que si la métropole du Grand Paris s'arrête au département de la première couronne, nous risquons d'y perdre en attractivité et nous sommes plutôt du coup favorables à un rapprochement. Néanmoins, on pense que la région et des agglos pourraient être suffisants pour réduire le millefeuille administratif et qu'il y a quand même une question à se poser sur tout cet empilage de niveaux. Et
à notre avis, ça mérite une large concertation, clairement, parce que les enjeux sont considérables. En tout cas, pour l'attractivité, il est nécessaire que Versailles fasse entendre sa voix et pèse dans le débat pour défendre nos intérêts. Marc Dias Gama, sur ce sujet. Oui, je réagirais peut-être un peu différemment, parce qu'en fait, vous parlez de l'attractivité d'une ville. Mais c'est quoi l'attractivité d'une ville? C'est le bonheur de ses citoyens, c'est le bien-être et le bien-vivre que la ville ressent. Donc, ce qui rend une ville attractive aujourd'hui, c'est le fait qu'on y vive bien, qu'on ait le sentiment de bien vivre. Voilà pourquoi dans notre programme... Est-ce qu'on peut y vivre bien dans la métropole du Grand Paris, à Versailles? Oui, si on rend Versailles, il y a encore des atouts d'attractivité en réserve. Améliorer le bien-vivre des citoyens, améliorer le bien-être de chacune et de chacun dans son Versailles quotidien. Et puis, on parlera tout à l'heure des aspects économiques. Et puis, on a déjà parlé de l'aspect de la transition écologique. Et c'est important. Et c'est ça qui renforce. Si aujourd'hui, si demain, Versailles est une ville où la transition écologique a été mise en place, où il y a un mieux vivre, où il y a un mieux être, alors elle sera une ville très attractive. Et comment vous percevez ça aujourd'hui, sur ces questions-là, justement? Je pense qu'il y a de grands facteurs d'amélioration. On est peut-être au tout début d'une démarche, et il faut mettre en œuvre cette démarche, d'où d'ailleurs changer le mode démocratique pour pouvoir mettre en œuvre cette démarche. Mais pour rendre Versailles attractif, rendons-la une ville de bien-être et de bien-vivre. Renaud Anzieux, sur ces sujets. Je suis d'accord avec M. Bouhiri. C'est-à-dire, si vous pouviez développer, parce que sinon on va finir plus tôt cette émission. Non, mais en fait, mais ça veut dire quoi de concentrer? Il y a des zones en France qui sont désertes, où il y a des villages qui se désertifient. On est vide. Et on concentre sur Paris. Le but de la métropole aussi, avec le Grand Paris Express, c'est de désenclaver, par exemple, Paris et la petite couronne. Je crois pas, non. C'est pas ma réflexion. Non, c'est pas d'étaler, c'est de concentrer. En tout cas, c'est comme ça que c'est souvent présenté. La concentration économique va favoriser l'économie. C'est au service de quoi? De l'économie ou des habitants? C'est dans le cadre d'une mondialisation et d'une compétition internationale de grandes métropoles. Et tout ça, ça découle en fait de politiques européennes où la France en fait doit être organisée différemment, c'est-à-dire il doit rester des grandes intercos, de grandes régions et une structure supranationale. Les communes, les départements doivent disparaître et l'État. On va passer la dernière grande thématique de cette émission, la sécurité. Alors, à Versailles, il y a 24 agents municipaux qui sont armés depuis 2017, équipés aussi de caméras piétons depuis 2019. Il y a 121 caméras de vidéosurveillance qui sont installées dans la ville. Vos positions sur ce sujet, une nouvelle fois, Renaud Anzieux, sur la sécurité, qu'est-ce que vous proposez? Oui, quand... J'entends sécurité, moi j'entends dignité humaine. J'entends quelle est ma sécurité physique. Et ce que nous proposons, c'est un centre médical de santé avec des médecins qui sont payés par la commune. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Versailles? Si vous voulez chercher un médecin généraliste, vous venez d'arriver, ben, vous n'allez pas en trouver. Si vous avez une urgence un week-end ou vous avez quelque chose, une petite maladie un week-end ou en soirée, ben vous allez à l'hôpital Mignot, qui n'a pas fait l'expérience d'heures d'attente aux urgences de Mignot. Et donc, je m'interroge vraiment là-dessus. Et j'ai consulté des médecins sur Versailles, et ils m'ont dit, ben, en fait, je me suis rendu compte que ça existait, en fait, des centres médicaux de santé. Il y a des médecins qui seraient ravis d'y participer, parce qu'ils font du temps partiel, parce qu'ils veulent s'occuper de leurs enfants. Et donc, quand on parle de sécurité, moi, j'ai envie de parler de la sécurité, d'abord physique, personnelle. Et si j'ai envie de me soigner, comment ça se passe? Est-ce que je vais attendre quelques heures à Mignot? Non. Donc c'est notre proposition. Marc Dias Gama, sur la sécurité, quelle est votre position à vous aussi? Peut-être une position un peu globalement différente. La sécurité, pour moi, pour l'équipe avec laquelle on a travaillé ensemble sur tous ces aspects-là, c'est le bien-être et le bien-vivre. Parce qu'une ville plus sûre, c'est une ville où il fait bon vivre. Et s'il fait bon vivre, la ville est déjà plus sûre. Et puis quand vous parlez de sécurité physique, je comprends. Mais avez-vous parlé de sécurité alimentaire, par exemple? Il y a plusieurs formes de sécurité. Voilà. Est-ce qu'un de nos enfants aujourd'hui à Versailles a plus de chances d'abîmer sa santé avec une alimentation pas saine, ou est-ce qu'il a plus de chances d'abîmer sa santé par une agression physique? Absolument. Versailles est une ville très,
très safe aujourd'hui, comme on dit. Donc je pense que la sécurité alimentaire me paraît beaucoup plus importante que la sécurité physique. Alors Anne-France Simon, vous ne partagez pas forcément ce point de vue. Vous constatez une augmentation de la délinquance à Versailles. Alors comment lutter contre ? Nous avons eu des faits divers récents qui le confirment, ainsi que des cambriolages avec séquestration. Donc non, il y a quand même des événements à Versailles qui montrent qu'il y a des choses à faire dans le domaine. Nous nous proposons d'augmenter le nombre de policiers municipaux, de renforcer aussi d'avoir des agents, des sortes de médiateurs dans les quartiers. Nous proposons aussi des actions de sensibilisation des citoyens contre le harcèlement, parce qu'il y a la sécurité vraiment des agressions, mais il y a aussi des problématiques dans les collèges, lycées et autres. La formation aux gestes de premier secours, qui est un moyen aussi de renforcer la sécurité. Nous allons créer un poste de référent aux violences faites aux femmes et aux enfants, et des actions de sensibilisation en faveur de l'égalité femmes-hommes, et puis renforcer le dispositif voisin vigilant et solidaire, je tiens à le préciser, pour contribuer à renforcer le sentiment de confiance. Jean-Michel Bourri, pour conclure sur cette thématique de la sécurité, vous n'avez pas encore pris la parole, mais quasiment le même temps de parole que les autres. Donc libre à vous de discuter là-dessus, mais vous aurez moins de temps pour conclure, éventuellement. Oui, bon, c'est un problème général, national. Ici, je suis plus à défendre les services publics, c'est-à-dire que c'est à la police nationale et à la gendarmerie d'assurer la sécurité sur le territoire. La baisse des dotations globales de fonctionnement de l'État, bon, c'est une perte de moyens financiers pour la municipalité, pour les efforts de police municipale ou autre. Donc on est dans un contexte qui va faire que c'est difficile de régler ce problème, qui est un problème national, qui est dû à une monnaie trop forte pour la France, à une dégradation de l'industrie française, etc., un appauvrissement de la population. Marc Diaz-Gamma, vous souhaitiez réagir avant qu'on passe à la conclusion libre. Oui, tout à fait, sur la sécurité. La sécurité, c'est une affaire aussi de chacune et de chacun des citoyens. Et quand on n'a pas assez de démocratie locale, eh bien les citoyennes et les citoyens, ben effectivement, on n'a pas d'autre choix que de mettre des policiers. Mais à la place de mettre des policiers ou de renforcer, même si ça peut être utile dans certains endroits, il faudrait peut-être laisser un peu plus la main aux Versaillaises et aux Versaillais. Si on renforce la responsabilité des conseils de quartier à travers l'élection des maires de quartier, on responsabilisera d'autant plus les femmes et les hommes à prendre soin de leur entourage, à prendre soin de leur entourage. C'est ça le bien vivre et le bien-être. On va conclure ce débat avec vos temps de parole, justement, de conclusion, parole libre. Vous êtes tout à fait libre de parler du sujet que vous souhaitez, revenir sur un point du débat, ne pas interpeller en revanche un autre candidat, puisque ce sera à chacun votre dernier temps de parole. Vous aurez tous à peu près 2 minutes, certains 2 minutes 30, c'est votre cas, Renaud Anzieux, pour conclure ce débat qui est diffusé, je le rappelle, sur TV78 et Radio Sensation. On prend l'ordre inverse du tour d'introduction. Donc vous commencez, Marc Diaz-Gamma, vous avez 2 minutes précisément pour conclure. Parmi les nombreux éléments de notre programme, le bien vivre, le bien-être, le renouvellement démocratique, il y en a un autre dont nous n'avons pas encore parlé, qui est très important. C'est, je vais le décliner en 2 thèmes, c'est un petit peu ce que peut apporter une mairie aujourd'hui à ses citoyennes et ses citoyens. Pas uniquement s'occuper des infrastructures, mais s'occuper des femmes et des hommes. Ne pas s'occuper que des choses, mais s'occuper des femmes et des hommes. La création notamment d'un prix de l'innovation, le prix Soleil, qui va permettre de récompenser une équipe de jeunes Versaillaises ou Versaillais qui présentent un projet, de les récompenser par un lot de 15 000, 25 000 ou 50 000 euros pour qu'ils puissent monter leur boîte et leur start-up dans Versailles. Ça renforcera l'économie versaillaise et ça permettra de dynamiser. Il y a beaucoup de prix sur l'innovation, des prix d'excellence. Versailles, Ville-Soleil, doit avoir, elle aussi, son prix d'excellence. Une deuxième chose, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, des logements privés. Nous proposons la mise en œuvre des nouveaux radiateurs numériques. Plutôt qu'utiliser nos radiateurs, nos vieux appareils de chauffage, les radiateurs numériques sont des radiateurs qui chauffent, mais qui chauffent parce qu'on fait du calcul avec.
il y a des microprocesseurs dedans, ça fait du calcul. Et l'avantage, par exemple avec un radiateur comme le QH1, c'est que la facture de chauffage est payée par le fournisseur qui vous installe l'appareil numérique de chauffage. Donc c'est aussi une solidarité humaine, ça peut permettre de diminuer la facture énergétique de celles et ceux qui ont le moins de moyens, mais surtout c'est une nouvelle manière aussi de prendre soin de la nature et encore une fois, dans le cadre de la transition écologique, ces nouveaux radiateurs numériques. Anne-France Simon, vous avez 2 minutes 10 pour conclure. Très bien. Notre ambition, c'est de faire de Versailles une ville attractive et rayonnante, protectrice et inclusive, résolument ancrée dans le XXIe siècle. Notre projet est mis en ligne sur un site ensemblevivonsversailles.fr sur lequel vous pouvez trouver des fiches de présentation de tous nos colistiers, une boîte à idées, les dates de nos prochaines réunions publiques, la prochaine a d'ailleurs lieu mercredi, et surtout comment nous contacter. Donc moi je dis rendez-vous le 15 mars pour donner un nouvel élan à Versailles. Je suis prête, mon équipe est prête pour être en responsabilité. Renaud Anzieux, 2 minutes 30 pour conclure ce débat pour vous. Ça fait plusieurs années que nous sommes en action, que nous avons réalisé des centaines de projets, et en fait on va continuer après. Il n'y a pas besoin forcément d'élus pour ça. L'écologie, on la vit déjà. L'écologie, on est déjà en action dedans. Après, on a plaisir à le partager. C'était notre intention en étant présent dans cette campagne. Notre liste s'appelle vivreversailles.org. En fait, on aime plus peut-être écouter que convaincre. Et j'aime l'idée que dans la trentaine d'actions qu'on a fait dans les 3 mois de cette campagne, passé et à venir, on est dans des espaces d'écoute. Nous sommes dans des possibilités de pouvoir échanger, partager, comme ce soir, par exemple. C'était vraiment agréable. J'ai apprécié. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, avec qui je vois que je suis en lien. Et peut-être, j'espère qu'on va être amené à se rencontrer plus tard. Jean-Michel Bouhiri, vous concluez ce débat et vous avez 1 minute 40. Oui. Jusqu'à 1 minute 40. D'accord, très bien. Je remettrai ces élections dans le cadre d'un enjeu national, c'est-à-dire que les maires et les conseillers municipaux vont permettre, ce sont les grands électeurs qui vont élire les sénateurs. Les sénateurs qui, eux, auront le pouvoir de lancer la procédure de destitution du président de la République. Ils auront aussi la possibilité, lors du congrès de Versailles, au rassemblement des deux assemblées, de modifier la Constitution. Et le maire, lui, aura la possibilité, comme d'autres élus, de parrainer le président de la République. Je remettais juste les enjeux de ces élections municipales. Et ce sera votre conclusion, ces élections municipales, le premier tour, je le rappelle, le 15 mars prochain. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. On voit vos temps de parole s'afficher à peu près égaux. Merci d'avoir vous aussi joué le jeu. Je rappelle que vous serez opposé notamment dans cette campagne municipale à François Demazière, le maire sortant, Anne Jacquemin, Arnaud Mercier et Fabien Bouglé. Vous pouvez retrouver ces débats sur les élections municipales à Versailles sur notre site internet en replay, les écouter aussi sur Sensation Yvelines, et la campagne des élections municipales se poursuit sur TV 78. Merci à tous. Merci à vous. Merci.